Donc je suis chargée de la partie création de bijoux à l'ESAT. Cet atelier a vu le jour en mars 2012. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée, j'entendais les travailleurs qui se plaignaient au quotidien. Ils en avaient marre de faire les mêmes activités. Et là, on a fait la connaissance de Madame Lévy et on a démarré l'activité ainsi. Je suis Laurence Lévy, j'ai 52 ans et j'ai créé Du rêve aux bijoux en août 2015. J'ai travaillé comme salariée dans une entreprise qui avait comme prestataire les ZAD de Vitry-sur-Seine. Donc tout naturellement, lorsque j'ai commencé à monter mon projet et qu'il était question que je fasse fabriquer l'artisanat puisqu'il ne pouvait en être autrement, j'ai décidé d'associer le monde du handicap. Et nos clientes sont déjà très très sensibilisées par l'artisanat. Ce sont des personnes qui veulent pas du travail à la chaîne, qui sont sensibilisées, voire qui sont concernées par le handicap. Et donc le retour est juste super positif.